Giuseppe Milacci and Vogue Trio est un groupe de jazz rassemblant trois musiciens, un italo-belge, un français et un belge. Un trio qui vient de sortir un nouvel album et qui s'est produit sur la scène du festival de jazz de Bakou, en Azerbaïdjan. On a un répertoire assez varié. On reprend des chansons brésiliennes, des chansons italiennes, des standards. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est garder le même esprit sur tous les différents styles. Je pense que chacun amène un peu une couleur différente au projet. Et c'est un peu ça qui nous réunit, nos différences et la complémentarité. Le socle commun, c'est quand même le jazz américain, les racines européennes qui sont le fil directeur. Et après, on va chercher à droite à gauche. En fait, moi, je suis arrivé au jazz par le ragtime. Donc, le ragtime, c'était un mélange de la musique classique européenne jouée par les esclaves noirs dans les fanfares américaines. J'ai commencé par la musique classique. Ensuite, j'ai découvert le rock, puis le jazz. Pour moi, le jazz permet beaucoup plus de liberté que la musique classique. Pour moi, c'est un super compromis entre le classique et le rock. Le jazz, c'est pouvoir exprimer comment je me sens au moment. Pour moi, c'est ça, c'est la liberté de pouvoir exprimer un sentiment, mais ce n'est pas nécessairement un truc revendicateur pour moi. Ce groupe de jazz franco-italo-belge va donner une série de concerts cet automne et cet hiver en France, en Belgique et au Luxembourg.